We are in AlUla, located in the northwest Saudi Arabia, and as you know, Saudi Arabia is part of the global region called Sahara Desert, which is hot desert. So mostly, like the environment in this area is arid environment, very limited rainfall. Les déserts, c'est des milieux où effectivement il y a beaucoup de conditions environnementales extrêmes et qui limitent la croissance et la survie des organismes vivants. On peut dire que les déserts, c'est des lieux où la biodiversité ne meurt pas, mais elle fait avec très peu. Et donc, c'est des lieux où on peut avoir des démonstrations excellentes de l'évolution qui est en cours. The environment is very harsh, but we think it ecologically has a potential to be restored for a well-protective ecosystem. Le désert de la péninsule Arabie a évolué avec une présence humaine qui date de très longtemps. Ce qui nous ramène ici à parler de la richesse culturelle, historique, patrimoniale d'AlUla, avec la présence de pas mal de civilisations qui se sont succédées. Et donc à la fin des années 70, début des années 80, donc les pratiques ont changé. On a perdu une gestion un peu plus durable, traditionnelle. Et donc on s'est trouvé dans un scénario où on est passé du pâturage au surpâturage, de l'agriculture en oasis, où on arrivait à avoir l'eau avec une agriculture plus consommatrice de l'eau parce qu'on puisait dans les nappes phréatiques. Et les perturbations répétées, de plus en plus intensives, font en sorte que l'écosystème dans le désert est dégradé, voire très dégradé. Soil is our first thing that we need to restore when we try to restore the ecosystem. So if we start to restore the soil and make sure this is healthy soil, have all the need for the plant, then the plant will kind of grow and we will be able to have a successful succession of plant species by trees, shrubs, grasses, etc. They provide the right habitat for wildlife and other organisms. La restauration écologique des écosystèmes, c'est le fait d'assister un écosystème qui a été dégradé, perturbé ou endommagé à se rétablir, se reconstruire. On peut la pratiquer de différentes manières. Donc on a la restauration passive. C'est tout simplement quand on arrête tous les facteurs, les éléments de perturbation, souvent la pression humaine, et on laisse à la succession naturelle faire son travail. Et donc, quand l'écosystème n'est plus soumis à des pressions, à des facteurs de dégradation, il a en fait ce qu'on appelle la résilience, la capacité à s'en remettre. Nous sommes à la réserve de Sharaan, qui fait 1500 km². On est vers le nord-est d'AlUla. Elle a été déclarée réserve en 2019 et clôturée depuis 2020 pour effectivement arrêter la dégradation de l'environnement. Et ici en Arabie, et particulièrement à AlUla, c'est essentiellement le surpâturage, le off-roading et puis après la coupe illégale de certaines espèces d'arbres. On voit très très clairement les résultats positifs de cette approche ou initiative de restauration passive. Et comme il n'y a plus de pâturage, les acacias sont déjà en très bonne santé. On voit ça avec leur très belle verdure. On voit un peu partout des plantules en fait, et c'est des plantules qui sont âgées de plus d'un an. On peut dire que le désert ici a l'occasion de se régénérer naturellement sans être menacé par le surpâturage. À Sharaan, il y a différents types d'habitats, de milieux naturels. Il y a certes des dunes, des wadis, des canyons, etc. Donc on va voir les différentes étapes de développement d'un habitat de type dune, et particulièrement un habitat qui est en train de se remettre après la forte dégradation qui a eu lieu depuis des dizaines et des centaines d'années. On a des environnements sableux ouverts. Donc on voit très bien le couvert d'herbacées, mais entre elles, on trouve essentiellement de petits arbustes qui commencent à s'installer. Un élément essentiel des habitats désertiques, notamment en milieu sableux, ce qu'on appelle les îlots de fertilité. Ici, on voit en fait le monticule, et souvent on a des espèces d'arbustes dont
les racines ont la capacité d'être englouées par le sable. Et donc ces monticules-là vont collecter l'eau, vont collecter également les sédiments, et ça va créer un îlot de fertilité. Parce qu'en même temps, ici on va avoir les feuilles et les restes de branches qui tombent. Donc effectivement, ça va se dégrader et ça va alimenter le sol avec des éléments minéraux. Donc on va créer un environnement très favorable à l'installation des plantes. The natural or passive restoration result that is happening in Sharaan is helping us to identify, for example, what plant species could be still exist and how we can collect its native seeds, because it's now protected for 3-4 years, so we can see all these bushes and trees, and so now we are able to collect all of our native plant seeds from the Sharaan Nature Reserve. This is will helping us also to produce our native plant seedling in our nursery and seed bank. Ici, on veut faire de la restauration active, c'est-à-dire replanter des espèces locales. Ici, on est dans un milieu qui a été dégradé par les pratiques agricoles passées, qui ont changé la composition en espèces végétales, mais également qui ont dégradé le sol. Donc ça, c'est un des lieux les plus difficiles à restaurer. Donc l'équipe de restauration est en train de tester différents assemblages. On essaye de voir quelle plante, par exemple, comme l'acacia, c'est une plante nurse, va faciliter l'installation d'autres plantes, pour après faire ça en dehors du site pilote, sur les sites où il va falloir de faire de la restauration active, c'est-à-dire planter activement, essayer de restaurer les habitats naturels anciens. Quand on regarde les plantes de près, on peut voir qu'elles se sont adaptées de diverses façons. Le plus simple, c'est de voir leur adaptation morphologique. Donc on va voir souvent des plantes avec des feuilles qu'on dit succulentes, c'est-à-dire des feuilles qui vont stocker l'eau, parce que l'eau elle est tellement précieuse, donc on va essayer de la préserver au maximum. Il y a des plantes qui ont décidé qu'avoir des feuilles, ça va leur coûter beaucoup, parce que les feuilles, ça transpire, ça perd de l'eau. Donc on a des arbustes qui ont des tiges vertes qui vont faire la photosynthèse et des feuilles extrêmement réduites. Il y a d'autres plantes, comme par exemple les acacias, elles sont capables d'aller puiser l'eau en profondeur. Et puis après, il y a d'autres plantes effectivement qui peuvent nous surprendre pendant la saison très très sèche. Elles peuvent perdre des bouts de tiges ou des bouts de feuilles, donc on croit qu'elles sont en train de mourir, mais tout simplement elles sont en train de faire un compromis entre les organes à garder fonctionnels et les organes à faire tomber. Dès qu'il y a de la pluie de nouveau, elles vont reprendre vie, elles vont se développer davantage. All the water collected from rainfall is stored in the groundwater, and it's not very deep groundwater, so the people was able to extract this water and use it for agriculture and development the area. So this is still exists and true for up to now, and we depend in some sustainable use of groundwater for supporting the agriculture and also restoring the ecosystem in AlUla. Ici, c'est une dépression naturelle dans la roche qui a été investie par les anciens. On voit sur les roches le ruissellement de l'eau depuis très très longtemps. Donc dès qu'il y a un peu de pluie, ça va collecter l'eau et donc ils vont pouvoir l'utiliser. Donc c'est également un habitat pour la faune sauvage. Il faut toujours garder en tête que la restauration d'un écosystème, ou en fait sa capacité à se restaurer lui-même après la dégradation, ça prend du temps. Ici, on est dans des conditions très très arides, donc très peu de pluie, donc ce qui ralentit le développement et l'installation des plantes. Mais ce qui est très très joli à Sharaan, c'est qu'au bout de 4 ans, on commence à voir les fruits de cette restauration passive, les clôtures, etc. Donc c'est un très joli exemple d'un écosystème qui est en train de se remettre à retrouver un état sain. Et donc on espère qu'on va après faire pareil dans les autres aires protégées. Commission for AlUla already established 6 nature reserves. 5 of them is within AlUla County. And our work at Wildlife and Natural Heritage Team is to conserve and restore the nature of AlUla. So we're bringing many experts from all around the world trying to come up with the best ecosystem restoration strategy and action plan for AlUla. This will enable us to sustainably restore the 65,000 hectare plant, 3 million trees, and reintroduce or revegetate 200 plant species from flora species. Actuellement, dans presque tous les départements comme Wildlife and Natural Heritage, ils commencent à faire des formations, des ateliers. C'est aussi un moyen de promouvoir pour des idées un peu nouvelles pour améliorer les pratiques. On ne peut pas
dissocier la nature de l'homme. On ne peut pas exclusivement faire que de la conservation, de la restauration, sans faire des activités à retour économique pour la population. Donc je pense que ça tombe très bien pour AlUla qu'il y ait à la fois un développement touristique très très intéressant, mais également une conservation et une promulgation de l'importance de son patrimoine naturel. Ça nous ramène à trouver un équilibre entre l'utilisation de la terre, sa conservation et sa restauration. The growing of AlUla and increase the tourist development is actually, we see it as a supportive leading for our work, because all of our work in the nature reserve is also supporting the ecotourism in AlUla. So once we are able to restore all this degraded ecosystem, reintroduce the wildlife from sand, gazelle, oryx, up to the Arabian leopard, this for sure will help and support the people to come and see the successful story of development AlUla as a world destination in ecotourism.